Je vous souhaite la bienvenue aux archives départementales du territoire de Belfort. Nous sommes ici dans les dépôts souterrains des archives. Vous avez 14 km de documentation et d'archives anciennes qui concernent l'histoire et l'administration du territoire de Belfort depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. On va commencer par parler des étangs l'étang des Florimont, puisqu'on a un beau plan des étangs de Florimont, où on voit tout le système... Tout le système de drainage d'étang en étang. Et on voit sur ce document une des raisons d'utilisation des étangs, puisque on peut remarquer sur chacun d'entre eux une contenance en carpes. On voit très exactement indiqué 450 carpes, 450, 350, 300, 1190. Donc tout un système en fait d'élevage, hein, de pisciculture, dans le sud du territoire. Pour plusieurs raisons. D'une part, ça permet, on le reverra sur d'autres documents, d'amender les terres et de drainer les terres qui étaient relativement humides dans la partie centrale du territoire de Belfort, et donc de drainer l'eau sur des étangs, et ainsi de permettre à l'agriculture de se faire autour sur les terres qui étaient plus sèches. Et puis, dans ces étangs, ben, on élève effectivement des carpes, puisque ça va permettre de faire des revenus, ça va permettre d'alimenter les marchés locaux, et même un peu plus loin, une petite trace de l'histoire du Malsouci, avec ses deux plans, le Malsouci étant divisé sur deux communes, celle de Sermamagny et celle d'Evette. Vous avez ici les plans d'arpentage des deux communautés qui ont été dressés vers 1760 pour l'intendance d'Alsace. Ce sont des documents à caractère fiscaux, et on indique sur le plan des deux villages les espaces agricoles. Vous avez donc ici une vision de l'agriculture dans les deux communes et une vision des étangs, puisqu'on voit très très bien effectivement tous les étangs qui sont indiqués un par un, nommés un par un. Il y a 33 étangs sur le finage de Sermamagny, il y en a 37 sur le finage d'Evette. On voit très bien une des utilisations qu'on a déjà évoquées, c'est-à-dire l'utilisation de drainage agricole, puisque autour de ces étangs qui sont tous artificiels, on voit bien que les chaussées sont sont un peu trop rectilignes pour que la nature ait pu produire des choses aussi géométriques. Donc autour de ces zones où on a drainé volontairement l'eau, en la fixant, on a pu ensuite créer des espaces de terre labourable plus saines, plus sèches, où il est possible de planter toutes sortes de céréales. Et le Malsouci, lui, par contre, par un canal qui rejoint Val-d'Oie, va aussi permettre d'entraîner des moulins et des machines sur la rivière au niveau de Val-d'Oie. Mais c'est surtout devenu aujourd'hui une base de loisirs bien connue depuis de nombreuses années. C'était un étang privé, c'est resté un étang privé assez longtemps. Et donc on voit sur cette petite carte postale des années 50, déjà l'utilisation de loisirs des étangs, qui est une activité qui est apparue assez tardivement quand même dans l'histoire. Hein. C'est à partir des années 20-30 qu'on commence à utiliser... les étangs de façon de loisir. Un des premiers à avoir été utilisé pour le loisir, c'est l'étang des Forges, puisqu'on y a créé une baignade juste avant-guerre. C'est pour ça qu'il y a tellement d'étangs. Donc dans des zones très humides, ça a servi effectivement à assainir et à drainer pour pouvoir faire de l'agriculture dans des terres un peu marécageuses, et puis faire de l'élevage. Et puis dans des zones qui n'étaient pas forcément marécageuses ou qui n'étaient pas forcément à drainer, comme c'est le cas de l'étang de la Forge, à stocker de l'eau, parce que l'eau devient une matière première énergétique pour faire tourner un certain nombre d'outils. Si on raisonne en histoire longue, nous sommes alsaciens. La Franche-Comté, c'est une histoire courte.